Salut à tous, bienvenue sur la partie 5. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas Yuna, j'ai cru que c'était Yuna. Je peux parler avec quelle touche? Non, rond, c'est le coup de pression. Ah, si on reste appuyé, on peut garder le coup de pression. Ah, voilà, parler. C'est une quête secondaire? もうここに住み疲れてしまいました。これまでいくつもの家が奪われ、焼かれてきたのを見た。この近くにある家も襲われました。家の主はこの地を離れようとはせず、助けを求め続けています。そやつを探してみる。 Ouais, voilà, c'est une quête secondaire. Carte mise à jour. Non, mais j'avais dit que je faisais pas de quête secondaire. Là tout de suite. En plus, c'est loin. Donc non, on va faire ça là. Comme ça, on va avoir un petit peu d'arc. Suivi, c'est bon. Le vent devrait m'indiquer. Alors, je me demande si les lieux à découvrir, ça va être des événements. Un petit peu comme Red Dead Redemption 1 et 2, où il va se passer des choses. Ou alors, c'est un lieu. Ils disent bien un lieu. Il n'y a pas marqué événement. Est-ce que j'avais des choses à équiper? Je vois que j'ai un logo de forgeron. Qu'est-ce que c'est? Amélioration. Tuer vos ennemis plus vite. Forgeron à visiter. Ok. Donc, ça, c'est cool. Ah, j'avais deux kits de sabre! Ouais, je pense qu'il n'y a aucune différence entre les deux, non? Ouais, je préfère celui-là de toute façon. Vous me direz en commentaire si jamais vous voulez que j'en porte un plutôt qu'un autre. En plus, il y a le logo, donc c'est pas mal quoi. Je pense que c'est bien. Option de kit de sable, c'était ça. Dans les techniques, est-ce que j'avais des points? J'ai un point. J'ai un point. Une frappe défensive efficace contre les ennemis lents. Ça peut m'aider quand même parce que. Bon, c'est un mieux, c'est une frappe rapide. Non, je pense que ce sera plutôt ça, moi, qui va me faire plaisir, parce que j'ai... Si on regarde quand même dans les précédentes vidéos, c'est plutôt les gros, là, comme ça, qui me font mal. Les parades parfaites restaurent une petite quantité. Non, je pense que je vais prendre ça. Alors... Ok, donc le vent peut m'indiquer... Alors, en fait, ça, c'était le village que j'avais libéré. Entre la sauvegarde et le retour, il y a les villageois en fait qui sont revenus habiter tout simplement, donc c'est assez cool. Parce que effectivement, il est où? Ah, Sora. Non, tu m'avais manqué, vieil ami, old friend. Alors là, je vais pas aller dans l'eau. On va traverser ici. On va essayer de voir ce qu'on peut trouver, tout en profitant bien évidemment des jolis paysages de ce jeu, encore une fois je le rappelle, qui était sorti sur PS4, donc il n'a pas été développé pour la PS5, si ce n'est qu'ils ont fait une mise à jour graphique. Est-ce que je passe? Ouais. Et donc ça reste quand même très joli. J'ai le chic pour me foutre dans les montagnes. On va essayer de faire le tour. Est-ce que je peux ramasser ça? Non, en tout cas, c'est des jolies fleurs. Peut-être qu'on pouvait... Attention, un animal sauvage me repère. Ah, il y a ça aussi, j'avais pas... Mais j'ai pas d'arc. D'accord, donc il y a de la chasse. C'est vrai qu'on avait traqué avec Tonton. Plutôt dans l'aventure sur un flashback, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Alors, il y a un bâtiment tout en haut, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un point d'intérêt? Oula, le vent m'indique d'aller quand même beaucoup plus loin. Alors est-ce que cette fumée... Non, c'est la fumée de la maison. Voilà, on peut pas caresser le cheval pour Sora pour lui dire qu'on est désolé, pour le rassurer un petit peu. En tout cas, j'espère qu'il sait quoi, que je l'aime très fort. ça souffle. Alors là, il y a un objet, il y a l'air d'avoir un truc. Voyons voir. J'espère que je suis pas en train de me foutre dans un... La merdier total. C'est escalade tranquille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Pourquoi? Pourquoi je suis allé là? Pourquoi le jeu m'a donné envie d'aller là? Je sais pas, il y a un truc caché dans la fontaine hein? Non. Là-bas il y a ce genre de bâtiment là, il y a peut-être quelque chose. J'ose pas sauter trop haut. Ok, donc c'est...
D'accord. Donc c'est entrer dans le mode légende. Je sais pas, c'est quoi ça? C'est le mode multijoueur, non? Non? Non, ça me fait peur, ça. Je crois que c'est le mode multijoueur qui est sorti avec le jeu. Mode multijoueur dans lequel je pourrais peut-être récupérer ma voix si tout se passe bien. Là, il y a une quête. Je vais la prendre, mais je vais certainement pas la faire parce que je suis pas féru des quêtes secondaires. Ça me gonfle. Surtout que j'ai cru lire un petit peu sur internet que le jeu était cool, mais potentiellement assez répétitif, donc en général j'évite un peu les quêtes secondaires, mais je regrette parce que c'est vrai qu'il y a des jeux où je loupe des bonnes choses. Alors, ce village, d'accord, là il faut parler, donc c'est pas un village tenu par les ennemis déjà. Hop. Ok. Bonjour. Est-ce que je peux lui répondre et me prosterner aussi? Ah, c'est cool. C'est cool de se faire des amis comme ça en avant. Bienvenue, continuez, faites ce que vous faites. C'est bien. Il a pas l'air ravi de mon morceau de flûte. Toi, t'as l'air d'être un meilleur public. Faut souvent... ouais, qui boit avec la joue. C'est pas ta première gourde, toi, mon cher ami. Mais voilà. Ça te plaît, hein? Masaka, anata mo osamurai? Ikinokori wa hoka ni mo irasshatta no ka? Ittai dare no koto da? Kashine ni sunde iru toka? Zehi o ai ni nararete kudasai. Itte miru to shiyou. Ok. Je n'irai jamais voir ça, donc je te laisse finir ta petite boisson tranquille. Ishikawa sensei o sagashite oru. Hamade uchiji ni sareta no dewa? Ikite oru. Dojo wa doko da? Mori no saki desu. Go annai itashimashou. Très bien. Alors il va m'amener... Ah, des fleurs. La barbe, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que la barbe, elle pousse au fil des jours et faut se raser, etc. Je sais pas, peut-être je fantasme un peu. Soda. Ça a l'air sympa là-bas. Est-ce que ça vous dirait un petit morceau de flûte? Bon, vous avez de la chance, je peux pas. J'ai le track en public, je pense. Ah! Attendez, voilà. Non, ils ont déjà l'air. En vrai, ils ont déjà l'air complètement dépressifs. Je pense que si je leur joue ce morceau de flûte, ils vont se tuer. Je vais plutôt suivre mon copain. Tout en volant ce qu'il y a dans la maison, parce que. Eh, pourquoi pas? C'est lui, hein? Ouais, je crois que c'est lui. Il y a intérêt à ce que ce soit lui. ça parle de flèche. Et ça sent bon, le... qu'est-ce que c'est ça aussi? Il y a des trucs partout. Excuse-moi, ah, je peux pas courir. Non! Ok, c'est le fameux dojo que j'ai vu au début. Alors là, le jeu me bloque. Est-ce que j'ai fait bugger le jeu? D'accord, ok. Ok, merci beaucoup. Connard. C'est cool. En fait, habitant à Paris, jouer à des jeux, jouer beaucoup de nature, ça me transcende. Il y a vraiment un manque de ça, quoi. De bagarre au katana, je veux dire. On va essayer de surveiller si ma barbe, elle pousse. Voilà. Alors toi, ce serait quoi? Ce serait pour compléter la carte? Je sais pas. Comment je lui parle, déjà?
今はもうこにとらわれておいでだ。うん。ご心配なく。辛抱強いお方ですから、戦の技量に優れ、さらに若まで。酒井様も若を？そのような暇はない。戦の時こそ読まなくては、一首読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。さようです。ちょうど良い場所が、カジバ近くの崖の上にあります。そういった場所を見つけましたら、 Alors, on peut créer des haïkus, donc c'est des poèmes. C'est cool. Est-ce qu'il y a une utilité ou c'est juste vraiment juste esthétique? Poétique quoi, ou ça va servir à quelque chose, je sais pas. Il m'a dit de suivre les oiseaux. C'est pas la quête, mais je veux quand même juste voir Conteur de légende, c'était ça? Non, Conteur de légende, c'est le mode où j'ai cru que c'était le multijoueur, mais je suis pas encore sûr. Bandeau de sérénité. Ok, donc je pourquoi pas faire un petit haïku vite fait avant pour un bandeau. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce lieu-là? Ouais, ok. Qu'est-ce que c'est cool? Il faut que je choisisse ou. Les arbres murmurent. Un lit frais sous les étoiles. Les arbres murmurent se balançant dans le vent. J'aime bien ça. À l'abri du soleil chaud. Wow. À l'abri du soleil chaud, j'aime bien la sensation de chaleur, c'est assez poétique. Une défense solide. La chaleur appelle une force croissante. Ça, c'est bien. Ça laisse présager du futur. Il y a une histoire, quoi. Il y a quelque chose qui va arriver après et quelque chose qui est arrivé avant. Take Sayagi. Kono shita yami wa suzushikeri. Oinobitaru zo kaigai shikeri. C'est drôlement bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est pas nécessaire, mais c'est juste un petit bout de poésie, c'est très cool. Les arbres murmurent à l'abri du soleil chaud, une force croissante. Je devrais composer davantage de poèmes. Ok, bah j'ai un bandeau qui sera peut-être plus joli que celui que je porte actuellement. Tenue. Bandeau de sérénité. Ah, il y a même le haïku marqué sur le côté. Je sais pas si on dit haïku ou haïku. Kudasai. Non, c'est où, je dirais. Et il est joli le bandeau, pour le coup. Haïku. Haha, non, non. Tac, tac. Non, j'aime bien mon armure de clodo. C'est pas mal. La selle, non, c'est bon, je vais pas fouiller Milan. On va essayer de faire quand même la petite quête, c'est-à-dire monter en haut. Est-ce que je prends mon cheval pour ça? Ouais, on va essayer de voir quand même. Ça va faire accélérer. Alors ça, ce sont des provisions. En tout cas, ouais, vraiment cool tout ce côté nature. J'aime beaucoup. D'habitude, les mondes ouverts me gonflent un peu. Et là, je dois avouer, pour l'instant, c'est cool. Alors je me demande juste quand est-ce qu'on va devoir faire nos besoins. Et comment. Je sais pas. C'est ça, non? Je sais même plus, ouais, c'est ça. Alors là, il n'y a pas d'ennemis, hein. C'est encore... Ishikawa-sensei no dojo. Ishikawa-sensei no dojo. C'est pas mal, j'adore. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ah, il y a de l'enquête aussi, un petit peu à la Witcher, c'est cool. En fait, il réunit un petit peu tout ce qui a été fait de mieux dans la génération précédente en termes d'open world, quoi. Parce que je crois qu'il est sorti un peu en fin de cycle. C'est pas mal, quelqu'un a été blessé, bon. Alors, personnellement, si je regarde un petit peu tout ce qui s'est passé,
Je dirais qu'il y a un peintre en bâtiment qui est tombé de son escabeau, quelque chose comme ça. Enfin, je veux pas croire en... qu'il n'y ait que du mauvais dans ce monde. C'est pas forcément de la guerre ou du sang, faut pas. Ça, tu vois, c'est. J'aime pas du tout cet esprit négatif qu'il a, mon personnage. La Jean, on va te. Regarde, il marche, il a l'air en forme. Ça, c'est son petit pot de peinture qui. Est-ce que. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi, j'aime bien marcher dans la gadoue. Enfin, si, je sais pourquoi on le fait quand on est petit. Et quand on est grand, on n'a plus le droit de le faire. Et ben, je le fais dans les jeux. Voilà, j'en profite quand même pour lui piquer ses fleurs. Parce que c'est à ça finalement que ça sert de rendre visite à ses copains. Je vais faire une surprise, je vais passer par le toit et dire coucou. Non, on peut pas. On peut pas. Ok, bon, on va passer par là. Uokuna. Ishikawa-sensei. Sakai-no-atotori-ka. Ikite-otta-to-wa. Komoda de matte orimashita. Mukau tochuu de zoku ni osowarete na. Sono zoku o machikamaete ita to. Sonae areba urei nashi to yuu daro. Shimura dono mo uchijini ka. Yoki otoko datta ga. Buji desu. Shikashi toroware no mi ni. Nozomi wa aru na. Jitsu wa sono ken de. O chikara zoe yo. Dekinu. Fushou no deshi ni shuppon sarete no. Te o kashimashou. Shikaru no chi nani tozo gojuryoku wo. Okure o toru na yo. Ok, c'est parti, je pense que... Est-ce que j'ai déjà l'arc, non ? Zonjimasen. Dewa Mouko ni temukau mono wa. Zannen nagara, hoka ni wa gozaran. Nara sagasaneba na. Futari dewa kyūshitsu nado obotsukan. Odeshi dono no ibasho wa. Tomoe no ikusaki nado shirete oru. Tomoe ? Onago ka. Umare wa ? Umare wa... 百姓。だが弓は並ぶものなどおらぬ。お主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつを忘れぬ。なぜ私ではなく、友枝を弟子になさった。お主は有望。友枝は神道よ。もうこの殺す。 Démo... Alors confrontation, c'est pas mal. Ah non, je peux plus. Je peux plus les confronter. Hop. On va essayer de voir un petit peu ces nouvelles techniques que j'ai apprises. Ok, donc c'était rond et carré, mais là il n'y a pas de... Ok, sa flèche a fait le taf. Oh, po. Allez, les archers là. Ok, dojo. Non! Est-ce qu'il y a moyen de contrer les flèches avec le... Pas sûr. Ça ferait un petit peu contrer les pistolets laser avec la Star Wars. Quoi. Alors, je vais remettre un peu de vie. Parce que je perds rapidement. Alors, pour ranger le sabre... Tac. Il le nettoie avant, j'avais même pas vu qu'il y avait le détail du sang qui tombe. C'est cool. C'est pratique. あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が襲われたか調べるんだ。いや、我が関係点は一個。米と泡。鉄かずだ。冬を。マジル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 。
敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問。あるいは。まさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子は、いずこにいると。中山だ。En fait, j'ai l'impression d'avoir vu la récompense qu'il va y avoir pour cette quête. Ça me donne l'impression que j'ai ouvert les placards de mes parents et que je connais déjà mon cadeau de Noël. Mais du coup, je suis comme un malade, je peux pas attendre. Et là, en fait, c'est ça, je suis en train d'attendre mon cadeau de Noël. Je sais que je vais avoir un arc, 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 je sais que je vais avoir un arc. Tu me donnes l'arc ? この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を問いで感じるものよ。Psst. Tu me donnes mon arc. ここで止まれ。話がある。いかがなされた？この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも、増えてな者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛むわ。それほどの品を私に早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。J'ai mon arc, j'ai mon arc, j'ai mon arc, j'ai mon...Dégâts et temps d'armement moyen. Donc il y aura différents arcs. Ok, jadis offert à Ishikawa Sensei par le seigneur Nagao, aujourd'hui manié par le nouvel élève du maître archer. Et c'est moi. Alors, gâchette gauche. Si j'appuie sur haut, je pourrais théoriquement changer d'arc, changer type de flèche aussi, je vois. Donc tout ça, c'est classique. Est-ce qu'on peut changer l'épaule visée avec le personnage à droite, en gaucher quoi, tirant en gaucher? Non, je crois pas. Dommage. Ah, il y a... Alors ça, vous en rendez pas compte, mais la gâchette, elle a un retour de force. C'est-à-dire que plus j'appuie dessus, plus elle résiste à mon doigt. Et ça, c'est cool. C'est une des nouvelles fonctionnalités de la Play 5. C'est gadget, mais à la fois, c'est vraiment cool. Un peu comme les vibrations. Les premières vibrations sont les premières DualShock. Sur la PlayStation 2, je crois. Je sais pas s'il y a des vibrations sur PS1. Non, je crois que c'est ça. C'était sur PS2. Ou alors en cours de vie de la PS1, je sais plus. En tout cas, ça faisait gadget. Et puis finalement, maintenant qu'on joue un jeu et qu'il y a un bug et que j'ai pas les vibrations, eh bien, je trouve qu'il manque vraiment un truc. Donc, je pense que ce sera pareil. Je suis nul à chier. On dirait qu'il m'a été destiné alors que je viens de louper absolument toutes mes flèches. C'est bon, il me l'a offert ? J'ai mon arc. On va célébrer ça. Ah, mais il y a de la musique qui sort de la manette, en fait. Je sais pas si vous avez entendu, j'ai mis la manette près de l'écran. Je peux pas le faire quand des personnages parlent. Je vais essayer de le faire et mettre la manette près de l'écran pour qu'on puisse entendre. Peut-être tout simplement désactiver ça, parce qu'en fait, c'est débile d'avoir les sons qui sortent de la manette. Alors que j'enregistre mon let's play comme ça, je vais peut-être juste checker ça dans les options. Je vais essayer de faire vite. Sortie audio, haut-parleur TV intégré. Pourtant, il ne me parle pas. Ah, haut-parleur manette, non. Bah alors, vous voyez, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ça me force. Enfin, ça me force pas, mais il y a du son qui sort de la manette. Parce qu'en fait, je crois que la musique de la flûte, on l'entend pas beaucoup. Dans le jeu, en tout cas pour vous. Ah, il y a des améliorations, peau de prédateur. Donc en chassant, on peut devenir meilleur chasseur. Un chasseur sachant chasser. Je vais rapprocher la manette. Voilà, c'est tout. On va peut-être pas passer une heure à faire ça. En tout cas, ça me fait plaisir, j'espère que vous aimez bien. Je vais essayer de monter un groupe de musique dans ce jeu. Je vais essayer de voir. Alors lui, il a une bonne tête de manager, lui. Je pense qu'il va m'aider à gérer mes tournées. Notre prochain concert, apparemment, c'est au fort Nakayanamalara. Tous les navires en fond, c'est sympa. La montagne, est-ce qu'on peut y aller jusque là-bas, quoi? Les flèches, j'en ai que une, c'est ça? Ouais, j'ai peut-être... J'imagine que si on tire sur ça, ça explose, non? C'est rouge, je sais pas, en général, quand c'est rouge et de type baril.
tout cas, l'arc, il prend de la place. Hein. C'est un grand arc. Arc court. Alors, je sais pas. Ça veut dire que normalement, l'arc, il est plus long. Alors, on va essayer de faire un peu de repérage. Ah, voilà, ce sont des barils d'explosifs. Alors, est-ce que vraiment une flèche pourrait le faire péter? Mais j'ai pas envie d'être ce mec relou qui... Pourtant, je le suis. Putain, c'est des frelons, mais ça me fait penser aux guêpes, et que j'ai horreur des guêpes. Voilà, je souhaite à toutes les personnes que je déteste de rencontrer plein de guêpes. Ça, c'est pas mal, un incendie. Ok, je pense que je vais commencer par un incendie. Ouais, je pense que je vais faire ça, en fait, ça me donne envie, je vais foutre le feu. Ah, je pensais qu'en mettant le feu, c'est ça qui allait faire qu'ils allaient sortir en courant et ouvrir les portes, j'avais pas compris que... Alors là, on va faire du frelon. J'ai envie de... Il va falloir... Putain, mais les pauvres, ils vont voir trop mal. Non, je peux pas, moi je prends la route pacifiste, parce que je peux pas... Il a dit d'attendre le signal, hein, on est d'accord. Que j'ai pas envie d'attendre du tout là les gars. Hein. Non. Alors est-ce que je peux tenir la flèche? Attends. Tac. Ça sert à rien là non? Non là ça sert à rien. Alors les gars, hop. C'est vraiment pas mal la gâchette là qui est dure. J'y crois un peu plus à mon tir. Ah il y a un baril là-bas, vous l'avez vu? On va essayer de la voir. Voilà. Là, il y a du frelon. Des flèches un peu partout. Les mecs, ils font des flèches, quoi. C'est. Ouh! Ah! Là, on peut jouer, là, un petit peu. Voilà. Tu peux pas pondre d'autres flèches. Non, c'est... Non, les gars, c'est la guerre, là. Hein. J'aime bien. J'aime plus. Hein. J'aime plus du tout. Non, je crois que c'est bon, là. Je vais me soigner un petit coup. Allons chercher Tomo. Hop là. Bon, l'escalade elle est pas très. Mais bon, j'ai pas besoin de plus. Enfin, donc là, j'ai laissé un baril au cas où. Je vais quand même annoncer mon arrivée avec un petit feu. Voilà, on arrive, les gars. Hein, surtout. C'est bon, on a tué tout le monde. Non, il me semblait qu'il y avait un mec. J'aime pas dire gros, on va dire un mec épais, voilà. Waouh. Alors normalement je vais rond et contre direct. Putain mais c'est hors de question que j'y arrive. Ouais. Ok, alors là est-ce qu'il n'y a pas... Waouh, mais non en fait il y a toute l'équipe, d'accord, il y a toute l'équipe de... Non en fait pourquoi vous êtes 500 000 les gars? Parce qu'on est deux, voilà, si on pouvait juste essayer de rétablir un petit peu l'ordre. Ouh putain, je vais mourir. Oh, je suis mort. Je me fais achever. Oh non, faut tout refaire. Non, c'est bon, là, faut juste descendre. Aïe, ok. C'est l'impatience qui me tuera. Est-ce qu'ils boitent un peu? Non, ça va s'arrêter mal. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les... Peut-être après, si je les leurre dehors, si je les fais sortir dehors, je peux utiliser du coup tous les barils qu'il y a, etc. Quoi. Ah, bah putain, le soleil m'empêche de... Les gars, attends. Alors là, on va essayer d'utiliser tout le décor à ma... Ah putain, c'est fou, il est caché par le soleil, c'est assez cool. Alors je laisse mon copain se battre, parce qu'il peut pas mourir vu que c'est un personnage. J'ai plus de flèches. Alors lui, c'est lui tout à l'heure là qui m'a tué. Alors je vais essayer de bien... Voilà. C'était pas... Ils sont costauds, ils ont un peu les costumes des... Chef tué, ok d'accord, ce que j'allais dire, ils ont le costume du chef. En fait, c'est carrément le chef.
Voilà pourquoi il y a le costume des chefs. Donc j'ai des points de posture, alors je... Bientôt on pourrait essayer d'autres postures. Lui il a peur. Il a peur parce qu'on a niqué le chef, ça c'est cool. Donc voilà, si j'appuie sur rond puis sur carré juste après, j'arrive à faire un contre. Voilà, alors l'arc là, j'ai pas de flèche. Est-ce que je... tu peux pondre des flèches s'il te plaît? Ah non. Voilà. Putain, il me contre bien lui. Ah, il veut pas de moi, il veut de mon pote. Et ça c'est cool parce que d'habitude dans les jeux, il y a que nous qui ont. Les gars, on se calme avec les flèches. J'en ai toujours pas. Ok, bon, putain, c'est. Il y a l'autre qu'il faut que j'achève là. Désolé, je peux pas t'achever, mec, parce que si, allez. À tous les coups, je suis invincible pendant que j'achève. Voilà. Voilà, je suis pas du tout invincible. Ok, les gars, je vais venir me finir au sabre. Oh putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolé, mais. Voilà. Ils sont partout. Vous êtes partout. C'est pas possible pour moi. C'est pas possible. C'est complètement pas possible. Laissez... Ah mon dieu, Saras. Toujours pas de flèche. Il a dit gaucho, non? C'est ça? Il m'a insulté de gaucho. J'étais sûr que c'était un village d'extrême droite. Attends. Oh putain, c'est pas possible. Laisse-moi te... Voilà. Et si je fais ça, ça me protège ou pas? Ça me protège absolument pas. Non! Non! Voilà. Alors, je vais me soigner un petit coup. Je peux pas me soigner. Là, c'est des flèches. C'est des flèches. Ok, il y en avait un autre normalement. Non, c'est tout? Ah ah, ça fait moins les mains, hein! Ça insulte comme ça, là. Ah, je voulais prendre des flèches en haut. Et bien c'est ici que je vais finir cette partie-là, et on se retrouve tout de suite pour la partie 6. En tout cas, merci aux deux personnes qui suivent cette série de vidéos. En tout cas, ça me fait quand même vachement plaisir, c'est cool. Si vous êtes s'il y a une troisième personne dissimulée, merci beaucoup. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et à toutes.